Hello tout le monde, donc je vous retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. Donc on est lundi 30 janvier, comme vous pouvez le voir, je sors de la douche, j'ai les cheveux encore humides. Donc là je vais me les démêler en vous parlant. Donc je prends mon zeste démêlant du petit Marseillais comme ça, au pamplemousse et jasmin. Donc oui, je revlog aujourd'hui. Là il est... Quelle heure? Il est 11h30. En fait, j'ai pas vlogué parce que ce matin, je suis allée chez le médecin. Donc, mon médecin, il ouvre à 9h. Donc, j'y étais à 9h et il y avait déjà 4 personnes devant moi. Donc, je suis sortie de là-dedans à 10h30. Ensuite, il a fallu que j'aille au pain à la pharmacie. Je suis rentrée, j'ai pris ma douche. Et puis on en est là. Donc je suis habillée. J'ai mis un poncho. C'est la première fois que je le mets, que j'ai acheté à Super U. Donc il est col roulé. Je sais pas pourquoi. Moi je l'ai acheté, mais je l'avais jamais encore porté. Donc je sais pas pourquoi je pensais qu'il était col en V. Mais en fait il est col roulé. Donc c'est très bien parce qu'en ce moment j'ai un petit peu mal à un côté de la gorge et j'ai souvent froid au cou en fait. Donc j'ai mis le poncho là en dessous, bah, j'ai un sous-pull que vous verrez dans mon haul des soldes de la halle. Bah, c'est un sous-pull blanc basique. Et j'ai mis un pantalon, ah, vous voyez pas, je suis pas assez souple, gris, tout simple. Donc voilà, ouais, et en fait le poncho, je pensais, parce que je l'ai pas essayé quand j'ai acheté, je pensais que là c'était refermé, mais en fait non, c'est un grand carré. Donc voilà pour ça, et je dois remettre du machin. Parce que mes cheveux, c'est une catastrophe, Lynn, en ce moment. C'est horrible, horrible. Donc, ouais, voilà, aïe. Puis moi, je suis une grosse bourrine en me démêlant les cheveux. J'ai envie d'y passer 10 ans. Donc, ouais, je suis rentrée. Je sais pas si vous avez vu. Ce matin, du coup, comme j'avais le médecin à 9h. J'ai dit à maman de ne pas se réveiller pour mon petit frère qui part à l'école à 8h, que de toute façon moi je me levais, donc qu'elle pouvait rester au lit et qu'elle n'avait pas à mettre son réveil. Et en petit déjeunant, j'ai eu la bonne surprise de voir que Miss Univers, c'est Miss France Iris Mittenard, je ne sais jamais comment on dit son nom de famille, est la Miss Univers de cette année. En même temps, elle est canon. Donc je suis trop contente. Ah, j'ai vu juste le couronnement, j'ai pas vu les défilés et tout parce que c'était cette nuit en fait. Donc du coup j'essaierai d'avoir ça en replay aujourd'hui, je pense. Au moins les passages où elle défile, je pense que ça serait possible de trouver ça. Donc ouais, super bien. Alors ma mère va entendre parler pendant... pendant des semaines. Oui, aussi, si vous vous demandez, moi, en brosse à cheveux, c'est la Tangle Teaser. Oups. De voyage, mais c'est pareil, quoi. Donc, voilà. J'ai un cheveu. Et en crème hydratante, enfin, en huile, en hydratant cheveux, j'utilise le sérum Brushing Absolu de Orphia. Dans la gamme Absolu Lisse. Tout simplement parce qu'il faut que je le termine. Il me semble qu'il est thermique, ouais, thermoactif pour un brushing parfait. Moi je me broche jamais les cheveux. Je suis très peu de chaleur. La seule chaleur qu'il y a, c'est l'eau de la douche. L'eau chaude de la douche. Ça par contre j'arrive pas à me résoudre à prendre un shampoing avec de l'eau tiède. Non. Pour moi la douche doit être chaud. Mais moi en plus j'aime bien prendre des douches très très chaudes. Donc il n'y a que ça comme eau. Enfin comme chaleur sur mes cheveux. Donc voilà, je range un petit peu mon bazar. Et je voulais vous montrer aussi, donc je vous reprends. Alors là c'est un petit peu le bordel et c'est surtout crade. Vous savez ma petite commode ici. Avant j'avais mes pinceaux, un support pour mes palettes. Et je me maquillais devant ces miroirs là. Sauf que le problème, c'est que quand je me maquille ici, la lumière est jaune. Et j'ai toujours l'impression que mon maquillage, enfin... que mon fond de teint a bien pénétré dans ma peau, que c'est la bonne couleur, que c'est bien estompé, etc. Sauf que dès que je vais à la lumière naturelle,
Je me rends compte que bah non, il faut encore estomper, il y a encore des détails à affiner. Personnellement, mes cheveux, je ne les supporte plus. C'est dit. Donc j'ai installé ma petite. Donc ma vue de ma fenêtre n'est pas terrible, hein. Mais ma petite coiffeuse ici, avec le plateau que j'ai acheté à Action, j'ai mis l'essentiel. Donc voilà, il y a un cadre de ma famille, mon support à palette avec les deux palettes que je me sers en ce moment, ma base, mes fonds de teint, mes pinceaux, et je me lève pour prendre. Parce que je veux pas mettre en fait tout là. En plus, c'est le bordel derrière, ma porte est encore ouverte. Donc je me lève, aller chercher le blush que je veux, la pose que je veux, si je veux mettre du bronzer, voilà, c'est pas très loin. Et je m'assois sur mon petit pouf, pareil que j'ai trouvé à Action. J'ai installé ça, mais j'ai encore jamais testé. Enfin, je venais m'asseoir devant mon lit pour avoir la bonne lumière, en fait. Voilà. Et mes cheveux sont tout plats. J'ai bien envie de les couper. Là. Mais ouais. Je sais pas, ils ont pas de volume. Ils sont tout plats, même si j'utilise un shampoing volume. Ils sont moches. Et si vous vous demandez ce qu'il y a là accroché à ma porte. Ça. J'ai trié en fait mes vêtements dans mon armoire, donc un côté sur les deux, pas les deux. Et c'est ce que je ne porte plus depuis au moins un an. Vous voyez ça? Voilà, qu'est-ce que ça fait ça là? Ça c'est quoi? Que je ne porte plus depuis au moins un an. Donc c'est à donner ou à mettre au relais. Donc voilà. Donc je vous retrouve un petit peu plus tard. On vient de manger. Là j'ai mes petits. Petit gâteau en dessert. C'était bien bon. C'était bien bon. Donc oui, là j'ai attaché mes cheveux en hauteur. Parce que je voulais que ça fasse un petit peu de volume en séchant. Je sens plus que je vais avoir les traces de la pince plutôt qu'autre chose. Mais bon, c'est pas grave. Donc là, j'ai regardé 2-3 vidéos YouTube, même s'il n'y a pas grand chose, grand chose. Ah oui, j'ai recommencé. Charmed, la série de mon enfance. Donc, soit, ouais. Ou alors, je vais peut-être mettre un épisode. Et comme ça, je me maquille et je me prépare en même temps. Ça peut être bien, ça. Mon film. Enfin, ma série plutôt. C'est parti. Faut que je change de miroir. Parce qu'il l'est pété. Et. Il me convient plus, tout simplement. Enfin, je vous ai filmé quand je me suis maquillée, mais j'ai utilisé ma Ultimate Basics sur les yeux avec un petit peu de la Smoky de Zoeva. Parce que, en fait, la Smoky de Zoeva, j'utilise surtout le fard. Je vais galérer à l'ouvrir. Le fard blanc qui est très, très, très pigmenté. Enfin, blanc beige ici. C'est mon fard préféré.
Quand je le mets directement là pour estomper tout, il estompe merveilleusement bien. Donc j'espère qu'il est possible de le racheter en mono parce que je l'ai déjà bien creusé. Donc j'ai fait ça. J'ai utilisé aussi ma nouvelle palette correctrice pour les cernes et les rougeurs de chez Maybelline ou L'Oréal. Un des deux. Et j'ai mis le lingerie ruban de satin sur mes lèvres. Parce que j'hésitais avec le dentelle décorative, je crois. Ouais. Mais celui-là, il faisait trop rose. Vous voyez, youp. Parce que je me suis maquillée en neutre brun. Donc je voulais pas trop de rose. Donc j'ai mis celui du bas. Et là, j'ai mis bien évidemment mon fixateur P2 là. Et j'étais en train de faire le montage de la vidéo de vendredi. Pour tout vous dire, j'avais déjà fait le montage. Il n'y avait plus qu'à faire la voix off. Mais je l'ai supprimé. Sans faire exprès en faisant du tri. Donc ce sera le My Brother Does My Voice Over. Donc du coup je le fais là, comme ça mon frère pourra le faire la voix off, soit ce soir, soit demain soir en rentrant de l'école. Donc voilà ce que je suis en train de faire. Donc j'ai été récupérer mon petit frère à l'école et il est 3h30. Là on va au don du sang. De retour à la maison, donc là il est 5h30. Donc j'ai bien été au don du sang, je vais vous montrer. J'ai mon pansement ici, ils m'ont même fait une piqûre pour l'hémoglobine. J'ai réussi à aller jusqu'à la... Ah, je vois plus. Non mais c'est bon. Attendez, regardez. Ça c'était un hélicoptère de course, regardez. Donc voilà, on est passé à Leclerc. Donc j'avais pris mon nouveau sac. Hip, comme ça. Il est très beau. De chez Mango. Ouais. Donc je me suis pris des petits maltesers et des chips pour me faire une petite soirée tranquille au bilou. Écoutez, tout le temps les mêmes trucs. Chips, maltesers, elle aime bien. Ouais. Et j'ai pris ces chaussures pour avoir des talons à porter au quotidien en fait. Parce que j'ai des talons. Je suis plus chaussures plates. Et j'ai des talons, mais ça fait vraiment soirée. Ils sont vachement pointus et tout. Bon, là, c'est un peu pointu, mais le talon est mis haut. Et c'est correct en fait. Mais qu'est-ce que tu fais? J'essaie de le faire atterrir ici. Démarrer de là ou atterrir? Atterrir. Et puis je redémarre. Vas-y. Vous voyez la grandeur quand même. De ici. Regarde. De ici jusqu'à là. Allez, bouge-toi. Attendez, parce que c'est pas mis au point. Donc voilà. Donc là on est rentré. Bye. Et puis c'est tout. Je finis mon vlog comme à chaque fois dans mon lit. Là il va être 21h. Et je vais regarder Clem ce soir. Il y a les deux derniers épisodes, je crois, de la série qui vont passer. Donc voilà, donc j'espère que ce vlog vous a plu. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Bye.